T'as vraiment volé les muffins d'un officier de marine? Comment je pouvais savoir que c'était un officier de la marine à part qu'il vit dans l'eau? C'est un cas typique de l'élitisme hollywoodien. BoJack Horseman croit que parce qu'il est passé à la télé, il est supérieur aux autres. Ben vous savez quoi, BoJack? Comme vous le voyez, c'est moi qui suis à la télé. Maintenant, c'est moi qui suis supérieur aux autres. C'est vrai, Neil. T'avais aucun droit de propriété sur ces muffins. Morse de mes deux! Vous pensez que je devrais appeler pour rétablir la vérité? BoJack, ces gens se nourrissent de controverses. Si vous donnez du crédit à cette histoire en répondant, ça ne fera qu'amplifier. On me dit à l'instant que BoJack Horseman est au bout du fil et qu'il veut nous dire quelque chose. Désolé, je vous ai pas écouté, mais je suppose que vous alliez dire oui, non? BoJack, ce que vous avez fait aujourd'hui est une gifle dans le visage de nos héros nationaux. Êtes-vous prêt à vous excuser? Oh, arrêtez de nous emmerder avec nos héros nationaux! Parlons plutôt du soi-disant droit de propriété, parce que pour tout vous dire, il en avait pas vraiment. S'il avait eu un droit de propriété valable... J'avais un droit sur ces muffins! Je les avais cachés dans la section fruits et légumes! Vous les aviez laissés à la portée de tous? C'est ce que vous appelez caché? Comment vous avez survécu en Afghanistan? Ce sont mes muffins! Vous allez me rendre mes muffins! Vous savez quoi? Même si je le voulais, je pourrais pas parce que je les ai tous mangés! Oh la vache! Une minute pour que les choses soient claires. Depuis ce matin, vous avez mangé tous les muffins? Ouais, je les ai tous mangés d'une traite parce que j'arrive pas à me contrôler et que je me déteste. C'est ça que vous voulez entendre? Neil, est-ce qu'il s'agit d'une petite boîte avec 2 ou 4 muffins dedans? Non, Tom, je peux vous dire qu'il y en avait bien plus que ça. Vous vous rappelez combien il y en avait dans cette boîte? Oui, il y en avait exactement 12! J'ai bouffé 12 muffins et j'en voulais même pas un seul! Voilà, je vous offre un putain de sujet d'actu, le mystère de mon putain de manque d'amour propre! Je m'en suis sorti comment?